Kokombo est un village situé à environ 50 km de la ville de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Majoritairement peuplée d'autochtones baoulés, une ethnie du centre du pays, Kokombo est un vaste village où règne quotidiennement une ambiance des jours de marché. Cependant, ce qui rend ce village encore si particulier, ce sont ces bruits assourdissants et interminables de marteaux ou de cloches qu'on entend à longueur de journée. Lorsqu'on s'y approche de plus près, on y découvre des hommes, des femmes, âgées pour la plupart, et même des enfants, marteaux en main, fracassant en petits morceaux des roches posées en tas devant eux. Ces mineurs, appelés communément orpailleurs artisanaux parce que n'utilisant pas des machines industrielles dans l'extraction des minerais, sont à la recherche de l'or. L'or, ce minerai si précieux, l'est encore plus pour l'homme qui le convoite, d'autant plus que pour l'obtenir, son extraction découle d'un processus lent et méticuleux. Et c'est particulièrement dans l'une des étapes de ce long processus que ces orpailleurs font intervenir le mercure, un élément plutôt essentiel dans l'assemblage des particules d'or obtenues. C'est en effet cette utilisation régulière du mercure dans l'extraction de l'or qui a conduit les recherches de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire dans ce village afin d'y détecter le taux de mercure libéré dans l'atmosphère. En fait, cela contribue du fait de l'exposition qui est liée à de graves conséquences sur la santé de ces orpailleurs eux-mêmes, mais surtout pour la population de Kokombo. De ce constat se dégagent bien évidemment plusieurs interrogations à savoir. Qu'est-ce qui nécessite l'utilisation du mercure dans l'extraction de l'or et quelles peuvent être les conséquences d'une telle exposition? Pour répondre à ces différentes interrogations, l'équipe de l'ONG
jeune volontaire pour l'environnement Côte d'Ivoire, s'est dans un premier temps rendu sur les mines artisanales d'extraction d'or pour suivre les mineurs, des étrangers burkinabés et maliens pour la plupart, dans la percée des puits. T'as quoi à créer depuis quelle heure? Depuis 20 hier. Ça fait combien de mètres? Ouais, c'est 12 mètres comme ça. Hein. 12 mètres? Oui, oui. Si on enlève les sables là comme ça, bon, ça, après ça, là, on gagne le caillou. Bon, si on enlève le caillou maintenant, on met dans le saki. Bon, on transporte pour aller à la maison. On va à la maison, on casse, puis on met dans la machine encore pour piler. Si on a fini de piler maintenant, on lave en même temps. C'est dans ça qu'on gagne or. De retour au village, place à la deuxième étape, le concassage des roches. Il consiste en effet à fracasser ou à diviser les pierres en de petits morceaux d'où seront extraits les grains d'or. Cette étape passée, place maintenant au broyage des morceaux de roches. Pour cela, une broyeuse artisanale est utilisée. Quelques minutes plus tard, apparaît le résultat que voici. Les morceaux de pierre, une fois broyés, deviennent du sable qui est lavé à l'eau. Ici, le sable est imbibé d'eau, puis déposé sur une passoire afin d'être égoutté sur une moquette disposée sur un plan incliné d'environ 2 mètres de long. Après plusieurs lavages, les particules d'or contenues dans le sable vont se poser sur la moquette de lavage et le sable est recueilli dans un bassin afin d'être relavé jusqu'à ce qu'il ne soit plus susceptible de contenir de l'or. Là, ça fait un an que j'ai commencé. J'étais à Iré. De Iré maintenant, je suis, moi-même, je suis à Diogoneflà. Je suis mariée là-bas. Et puis, le frère de mon mari, il est ici. Je suis venue le voir. Donc de temps en temps, je viens, je vais, mais cette fois-ci, j'ai décidé de rester ici un peu, je vais un peu. Là, moi aussi, je pourrais faire quelque chose. Sinon, moi-même, là, je vends. Je faisais à checker, je prends chez les femmes et puis je vends. Mais maintenant, après ça, j'ai laissé ça, moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, puis je donne aux femmes. Ça maintenant, j'ai laissé ça, j'ai commencé à vendre haricots. Ça, en tout cas, ça, je gagne plus qu'haricots. Parce que ça m'arrange, je peux manger ce que je veux, manger ce que je veux avec. Mais haricots, là, c'est moins. Il faut payer huile, du magi, oignon, les condiments. Pour que ça soit bien là. Bien voilà. Mais ça, je paye que l'eau seulement. Ah, vous payez l'eau et puis. L'eau, ça c'est. On fait pousser les tapis comme ça. Vous voyez? Parce qu'on met trois tapis, on va les caler là, pour ne pas que. Ça aille sous d'un coup. Voilà. Donc on dépose un petit panier là, et on met le sable dedans, ajouter de l'eau, et on essaie de tourner un peu. Maintenant le sable s'en va. Les plus petites parties, les plus petits, les grains les plus fins, ils descendent. Voilà. Le sable, c'est le sable qui coule. Le sable coule, alors l'eau reste. L'eau pèse que le sable. Oui, pareil, ça pèse plus que le sable. Oui, donc ça reste dans le tapis. Donc c'est le sable. À la fin, les particules d'or recueillies et encore entremêlées aux grains de sable seront regroupées dans une écuelle. L'étape de l'amalgamation peut ainsi s'effectuer. Mais le constat fait par l'équipe de jeunes volontaires pour l'environnement Côte d'Ivoire est que cette opération ne se déroule pas en milieu ouvert. C'est plutôt dans un endroit clos comme les habitations des orpailleurs qui sèvrent de cadres. En effet,
Le mercure est utilisé de façon clandestine à cause des dangers qu'il peut présenter, aussi bien pour la santé des populations que pour l'environnement. C'est un commerce illicite, donc un trafic qui se fait au marché noir entre les orpailleurs et leurs fournisseurs. Ces orpailleurs s'octroient ainsi le mercure à un coût très élevé qu'ils ont refusé de révéler aux membres de JVE Côte d'Ivoire. De nos enquêtes effectuées, il a été question de découvrir que le mercure provenait d'un pays limitrophe. Les échanges avec les différentes populations, avec les différentes communautés d'orpailleurs nous ont montré que le mercure provenait non seulement des pays limitrophes, vraiment du Nord, donc du Burkina Faso, du Mali, et nos échanges aussi avec les orpailleurs de ces pays-là, puisque nous sommes rendus dans ces pays. Nos échanges avec les orpailleurs des pays limitrophes, donc des pays du Nord, donc du Burkina, du Mali, même du Niger, ont permis de comprendre que le mercure ne provenait même pas de ces pays. Ils nous disent que le mercure vient du Nigeria, nous sommes rendus au Nigeria, échangés aussi avec les mineurs là-bas. Le mercure provient, ils nous disent que ça provient de Tanzanie ou du Kenya. Du Kenya, on se retrouve, le mercure qui provient de l'Inde ou de la Chine, si le Sud. Donc, c'est dit que la question, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire exactement d'où est-ce que le mercure provient. Mais les orpailleurs dans nos localités ici proviennent des différents pays de la CEDEAO. Et quand ils viennent, donc, ils viennent avec leur savoir-faire, ils viennent avec leur technologie et le mercure. La technologie utilisant du mercure étant une qui provient du Burkina et du Mali. Alors, les orpailleurs provenant du Mali et du Burkina sont ceux-là qui viennent avec du mercure ou extraction minière du déchet de l'or ici en Côte d'Ivoire. L'équipe est invitée dans la concession d'un acheteur de sable pour suivre directement comment se déroule l'étape de l'amalgamation. Le mercure que voici, présenté sous son aspect grisâtre, est déversé en petites quantités dans l'écuelle ayant servi à recueillir les particules d'or entremêlées au sable fin. Ici, l'on peut constater qu'aucune des personnes présentes pendant le déroulement de cette étape à haut risque ne porte de protection, y compris l'acheteur lui-même. C'est en effet au cours de l'amalgamation que se dégagent les particules de mercure qui seront inhalées par l'orpailleur lui-même et ceux qui y sont à proximité. À court terme, nous avons une exposition aiguë au mercure qui peut entraîner un syndrome d'hydragisme. C'est une éruption cutanée causée par le mercure. Donc, les personnes fortement exposées au mercure vont avoir des problèmes de peau, donc des boutons vont apparaître sur la peau. Pour les personnes, c'est des boutons rougeâtres qui apparaissent un peu comme, je dirais, c'est pas comme la dalle, mais qui apparaissent et qui entraînent aussi des démangeaisons. Et ça, c'est un syndrome qui apparaît sur tout le corps. Et ça, c'est lié, bien sûr, à une exposition aiguë, une forte dose de mercure. Une personne exposée à une forte dose de mercure pourra développer ses éruptions. Le même scénario est produit lorsqu'après l'amalgamation au mercure des particules d'or, les boules grisâtres sont chauffées à l'aide de la flamme d'un brûleur. C'est l'étape du chauffage. La boule, une fois chauffée, laissera apparaître quelques minutes plus tard une pépite d'or. «
Cette pratique, effectuée à répétition et à longueur de journée par ces orpailleurs, semble ne pas avoir d'effet nocif sur leur organisme. Bon, il lave, oh, ça avait 7 ans, bon, ça n'a pas trop duré. Bon, il l'avait à Iré. Combien de temps une nouvelle est sortie? Et j'ai venu regarder ici. Et puis bon, ça? Ça va un peu, un peu. Tu peux laver? 5 sacs. 5 sacs. Ouais. Bon, ça dépend. Ça dépend des... Et tu es payé à combien par sac? Bon, et un sac à 2000. Quand tu laves là, ça ne te rend pas malade? Non, tu ça ne me rend pas. Non. L'odeur. Si je lave moi-même, la nuit, je me sens bien. Tu te sens bien, t'es jamais eu des maux de tête. C'est pas triste. Voilà. D'autres, assez conscients des effets néfastes de cette exposition régulière au mercure, reconnaissent ressentir de temps à autre quelques malaises et bien d'autres. Il y a la vapeur de... C'est pas bon. Ouais, c'est pas la fumée, c'est pas bon. Donc, après nos percussions, quand on sait que la fumée va sur nos côtés, on quitte là. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est pas bon même pour la santé même. Tu connais le mercure? Quoi, tu utilises le mercure aussi? Oh, le mercure sert à faire quoi? Dans l'eau là? Ça attrape l'eau. Et quand tu fais là, tu n'as pas un problème à... Ça sent pas? Ça sent. Mais ça te donne pas quelque chose après? Ça donne maladie. La pratique de l'orpaillage à Kokombo libère du mercure qui est inhalé par les orpailleurs et les populations riveraines. Même si ces effets sur la santé diffèrent à court terme sur les individus, quels seraient les effets sanitaires et environnementaux après une longue période, c'est-à-dire après 10 ou 20 ans, aussi bien sur les orpailleurs que sur les riverains? Nous avons constaté qu'il y a du mercure dans la zone parce que les gens l'utilisent pour capter l'or dans le sable. Donc, nous avons fait des mesures avec les artisans dans les carrières où on récupère les gros cailloux. Nous avons vu les broyeurs, nous avons vu les laveurs de sable, nous avons vu toute la chaîne de recherche d'or. Et puis, nous avons pris des mesures à chaque endroit pour avoir un peu le taux de mercure dans l'air à chaque niveau. À long terme, l'usage du mercure dans l'activité d'orpaillage va entraîner une pollution des matrices environnementales, notamment l'eau, le sol et l'air, et aussi une contamination des personnes travaillant avec le mercure et même des populations vivant autour des sites miniers artisanaux. Pour ce qui est des effets environnementaux, nous avons donc le sol, quand il est pollué, il va contaminer aussi, il y aura donc migration du mercure là, dans certains aliments, notamment le riz. Il est prouvé scientifiquement que le mercure a la propriété de passer maintenant la barrière végétale donc, du riz. Et donc s'il y a des rizières autour des sites miniers artisanaux, ne soyons pas surpris d'avoir des plants de riz contaminés, et donc on fait le chêne du riz contaminé par le mercure. Le mercure dans l'eau va rencontrer donc va être l'objet des bactéries qui vont transformer le mercure en méthylmercure. Donc le méthylmercure est une forme moléculaire du mercure et c'est la forme la plus toxique. Et cette forme-là se retrouve donc dans toute la chaîne trophique. Donc je dis donc, elle va se retrouver sur les phytoplanctons qui seront consommés par les zooplanctons, qui vont être consommés par les petits poissons par les gros poissons. Et donc à la longue, le méthylmercure va s'accumuler dans la chaîne. Et les gros poissons étant consommés par l'homme sera contaminé par le méthylmercure provenant des poissons issus des cours d'eau contaminés. En même temps aussi, l'air étant contaminé, donc nous avons le mercure atmosphérique dans l'air. Le mercure se trouvant dans l'air, il y a aussi avec les mouvements des vents, donc il y aura des déplacements des vents contenant des particules de mercure vers des sites qui n'utilisent pas. On va retrouver donc de fortes concentrations de mercure dans l'air, dans certaines régions, dans les régions avoisinant les sites miniers. Dans l'air des sites miniers artisanaux et aussi dans les régions avoisinantes, comme dans les régions plus ou moins éloignées. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de menacer donc la santé des populations vivant dans les sites miniers artisanaux, dans les zones jouxtant ces sites-là ou même dans les zones éloignées des sites miniers artisanaux, simplement par l'usage de
mais que pour l'extraction de quantité d'eau sur un cépinier artisanal. Ce qu'on a le plus rencontré, ce sont des pathologies neurodégénératives. Quand je parle de pathologies neurodégénératives, c'est sous-entendu les pathologies qui s'attaquent aux neurones et qui entraînent leur diminution ou leur mort au fur et à mesure. C'est surtout des maladies à type d'Alzheimer, de Parkinson et d'intoxication aussi fœtale, puisque tout cela est un peu lié. C'est surtout cela. Il y a aussi des pathologies neuromusculaires, c'est-à-dire un manque de coordination des mouvements à la longue et qui peut entraîner une dépendance de la personne et une mort si rien n'est fait. 50 km au nord-est de Kokombo et précisément dans la capitale politique du pays, le même cas de figure est observé. On a un peu peur d'enregistrer les mesures en même temps. Donc on prend des notes. On prend des notes à chaque moment. Chaque 10 secondes, ça donne la mesure de l'endroit où on se trouve. Après des mesures effectuées dans certains quartiers de Yamoussoukro, l'équipe de jeunes volontaires pour l'environnement Côte d'Ivoire a détecté dans l'atmosphère un taux élevé de mercure. Mais ici, ce taux élevé de mercure libéré est plutôt la conséquence des eaux usées des cabinets dentaires installés dans les centres hospitaliers de la capitale et même des effluents des autres déchets biomédicaux contenant du mercure. Même constat fait aux alentours de la présidence et du lac au Caïman. Et surtout, aux alentours de la statue du feu président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Ici, vers la statue du feu Félix Houphouët-Boigny, le président de la République, on a 304 comme mesure. Cela peut s'avérer qu'il y a dans les métaux utilisés pour faire la statue de la personnalité, peut-être il y a du mercure dedans. Il se pourrait que la dorure utilisée pour le revêtement contienne du mercure. Chose à vérifier en attendant que les institutions spécialisées mènent des investigations assez poussées et proposent des matériaux alternatifs sans mercure pour remplacer le mercure dans tous les domaines où il est utilisé. C'est déjà le cas pour la dentisterie, ou le ciment vert ionomère, autrement appelé CVI, ou la résine composite sont utilisés en remplacement de l'amalgame dentaire dans l'obturation des caries. Au sorti donc de cette première étude que nous avons menée, nous avons fait des recommandations à l'endroit des différents ministères, notamment le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, et même le ministère de la Santé, aussi le ministère de l'Intérieur. L'intérieur, le ministère de l'Intégration. Il a été question pour nous de proposer des mesures qui permettraient de réduire un peu l'exposition des orpailleurs au mercure. Et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement, ces deux ministères se sont saisis de la question. Et aujourd'hui, il y a un projet de formalisation des mines artisanales qui est en cours au niveau du ministère des Mines. Et au niveau du ministère de l'Environnement, il y a même un projet de réduction de mercure dans l'orpaillage qui est aussi en cours au niveau du ministère. Et ces deux projets-là visent d'abord à identifier tous les sites miniers artisanaux, de production d'or bien sûr, et ensuite définir pour ce qui est du ministère de l'Industrie et des Mines, comment est-ce qu'il sera question de pouvoir identifier ces acteurs-là et puis les circonscrire. Donc,
les identifier, les concentrer dans une seule zone, et puis après, les organiser, soit en société coopérative ou autre chose, mais les organiser pour permettre de contrôler leur activité. Pour ce qui est du ministère de l'Environnement, il est question, une fois que cette identification est faite, c'est-à-dire une fois que l'identification des mines artisanales d'or est faite, comment est-ce que nous pouvons identifier, séparer celles qui utilisent du mercure, celles qui n'utilisent pas du mercure, et comment aider les mineurs à ne plus utiliser du mercure, sinon à réduire, ou à défaut donc, à réduire l'usage de mercure dans leur pratique. Voilà ce qui est fait au niveau gouvernemental, au niveau des institutions étatiques. Pour finir, nous disons que nous sommes tous quotidiennement exposés au mercure. Cela constitue une véritable bombe à retardement pour nos populations, vu que ses effets sanitaires ne sont visibles qu'après une longue période d'exposition, 10, voire dans 20 ans.